Chantal, que penses-tu de ce début de séjour à l'île Maurice? Je vois que tu es allongée sur ton transat, en train de te faire bronzer, si j'ose dire, sous les cocotiers. Les cocotiers que voici. Alors, raconte-nous ton impression. Eh bien, on avait une idée de paradis, et là nous y sommes. Nous y sommes. On ne va peut-être pas rentrer d'ailleurs, hein? Alors, redis-nous Chantal, on a beaucoup de chance ici parce qu'en fin de compte, si on regarde bien autour de nous, on est les seuls touristes, il n'y a personne. On a l'hôtel pour nous tout seuls, n'est-ce pas? Et puis cette mer, cet océan, que dis-je, cet océan, ce paradis, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas mieux rêver, n'est-ce pas? C'est vrai qu'avec ce vent, parce qu'il y a quand même du vent, il faut le dire, hein, on va pas mentir. On a quelques craintes, surtout, c'est de se prendre une noix de coco sur la tête. Parce qu'il y en a des noix de coco. Il y en a partout. Et elles sont grosses. Sur tous les cocotiers, il y a des noix de coco. Un jour, ça va nous tomber sur le coin du nez. Je te dis pas. Oui, c'est la mer, c'est l'océan. Et puis, c'est une femme, mais qu'est-ce qu'elle est canon! Regarde-moi! Oh.
They'll steal your love from me. I long to hold you dear and kiss you just once more. But you were on the ship and I was on the shore. Now I know lovely nights, for all the while my heart is misplaced. Some other harbor lies will steal your love from me. Thank you.
et dans le fond, il y a Chantal. On est comme des enfants. Ah, j'adore. C'est génial.